composition de l'équipe. Au niveau de l'organisation sur le terrain, c'est le 3-5-2 qui a été retenu par l'entraîneur. L'équipe alignée par l'entraîneur. L'équipe va s'appuyer sur une organisation en 5-2-3. Coup d'envoi de cette première période à l'instant. L'attaque qui n'ira pas plus loin car le drapeau s'est levé hors jeu. Il peut centrer. Il décide de prendre sa chance. Contrer ce tir. Nani. Le centre, Cristiano Ronaldo peut-être. Slav Close. Parce qu'il sait récupération. Oh, le duel avec le gardien maintenant. La frappe. Oh, il y est. C'est bon, qui vient se loger juste sous la barre. Je ne sais pas si le gardien ne touche ou pas, mais la frappe est limpide. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Peut-être une occasion. Miroslav Klose. Oh, le ballon peut être repris. Il va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Et ballon pour Nani. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain.
Pépé. Juan Alves. Ah, il a vu qu'il n'était pas tout seul. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Miroslav Klose. Ah, attention! Ah, ça peut marcher à tous les coups non plus. Hein. Ouais, mais attention quand même à sa frappe de loin. Hein. Le joueur qui a pris l'avantage. Grâce à ce but que nous revoyons à nouveau, il se retrouve bien placé dans la surface et décoche une frappe puissante en pleine lucarne gauche qui ne laisse aucune chance au malheureux gardien. Bon Alves. C'est arrêté avec la relance. Et ce ballon qui se touche. Ils sont à la lutte. Oh, c'est bien parti. Ouais, pas de souci hein, pour le gardien. Joli travail de protection. Nani. Juan Alves. Oh, que c'est bien joué, ça va peut-être aller au bout. Miroslav Klose. Ah, ça devient difficile hein, pour l'adversaire qui est... Attention, la frappe. Il n'y a pas de problème pour le gardien de cette distance. Mais vous savez, Hervé, qu'il a déjà marqué de là. Hein, il a eu raison hein, de tenter sa chance. C'est pas faux. Avec Nani maintenant. Et ça n'est pas trop du goût du public évidemment. Quelle va être la réaction de l'arbitre maintenant? Miroslav Klose.
peut-être le but. Oh, le défenseur, là, il a payé de sa personne, il s'est sacrifié. Miroslav Klose. Attention à ce centre. Un long ballon, loin devant. Avec Nani maintenant. Cristiano Ronaldo. Un bon pressing du défenseur. Nani. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Alves. Il enchaîne les bonnes passes. Hein. Position pour centrer. Et c'est dans les bras du gardien. Allez, ne pas gâcher cette occasion. Il a du soutien. Et centre à destination de Cristiano Ronaldo. Deux minutes en temps additionnel. Il prend sa chance. Il y avait peut-être mieux à faire là. Ouais, facile à dire après coup. Ouais. Tiendra donc dans cette première période, bien qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Bon, bilan plutôt satisfaisant hein, pour lui dans cette première période, sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon. Et bien, c'est grâce à lui, si son équipe est devant à la pause, ça reste quand même le fait marquant de cette première période. C'est reparti pour 45 minutes. Miroslav Klose peut-être va aller provoquer avec des dribbles maintenant. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Cristiano Ronaldo. Il n'y a plus que le gardien.
Nani. Il a tenté sa chance de loin, mais il n'inquiétera pas le gardien. Ah, il aime bien prendre sa chance là, comme ça. Et souvent, ça paye en plus. Avec Nani maintenant. Cristiano Ronaldo. Qui sort après avoir frappé le poteau. Et le tir, un superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. Tout est à refaire maintenant avec cette égalisation. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Tout est à refaire. Okay. Et bien buté sur la défense. L'entraîneur a demandé à faire un changement. Ça hérite de ce ballon. Il s'approche. Miroslav Klose. C'est un changement. De ce ballon. Lukas Podolski. Le joueur a terminé son échauffement. Il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Il lui remet. Les 30 derniers mètres. Lukas Podolski. Et maintenant, il va falloir centrer.
Oh, le tir. Oh, c'est le but. Le but qui leur permet de passer devant. Ils sont récompensés de leur prise d'initiative. C'est bien, c'est logique, ils ont pris plus de risques, ils se sont créés plus d'opportunités. C'est pas mal. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Cristiano Ronaldo. Lucas Podolski. Un entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. Très propre, une belle interception. Ouais, ça c'est bien sur l'aile. La défense qui récupère. Miroslav Klose. Et ballon pour Nani. Il s'avance vers la surface. Et le ballon qui va changer de possession. Nani. L'occasion peut-être avec cette frappe. Nani. Le but. Et revoilà égalité. Et on revoit ce but splendide, hein, Franck. Oh ouais, on régale. Regardez, le joueur là qui ne quitte pas le ballon des yeux. Là, il sait depuis le début qu'il veut tenter ce geste. Après, l'équilibre est parfait là au moment de la frappe. Et le gardien est impuissant sur cette frappe juste sous la barre transversale. Allez, encore une égalité. Lucas Podolski. Et le ballon qui change de camp. Et ballon pour Nani. Ballon pour Cristiano Ronaldo. On s'approche du but. Alors, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Lucas Podolski. L'entraîneur a demandé à faire un changement. Se battre à la tombée. Ouais, là c'est tranquille, hein. C'est du petit lait pour le défenseur. Ouais, c'est sorti. Le but égalisateur à nouveau. Un superbe but avec une reprise de volée très bien ajustée qui trouve
la lucarne gauche. Il n'y avait rien à faire pour le gardien. Allez, changement dans quelques instants. Mireles. Nani. Lucas Podolski. Attention, la frappe. Et le gardien qui remporte son duel. Et il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais... c'est bien joué là de la part du gardien. Oh, le gardien qui repousse, attention. Terrible suspense hein, dans ce match. Tout semble possible. Son échauffement, il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Nani, peut-être une occasion. Lucas Podolski. Marcel Close. Cristiano Ronaldo. Raúl Meireles. Quel effort sur cette interception, c'est impeccable. On jouera 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Oh, il pousse dans ces dernières minutes. Il y a la victoire au bout dans cette action peut-être. Lucas Podolski. Les 30 derniers mètres. Ah oui, le centre. Bonne sortie du gardien. Et c'est un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore. Possible de départager les deux équipes à l'issue du temps réglementaire. Qui sort après avoir... Et le gardien qui va tenter derrière. Et le tir. La superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Oh, le tir. Oh,
Pourtant, c'est le but. Le but qui leur permet de passer devant. L'occasion peut-être avec cette frappe. Nani. Le but. Les revoilà à égalité. Attention, la frappe. Et le gardien qui remporte son duel. Ah oui, il pouvait prendre l'avantage hein, sur cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes au joueur qui va rentrer. Beaucoup de fatigue également. Lucas Podolski. Attention à cette perte de balle au milieu avec Nani maintenant. Václav Klaus. Le ballon sur ce bon tacle. On va essayer de lui prendre le ballon. Jaroslav Klaus. Le ballon à l'adversaire là. Et Alves. Voilà, regardez la technique balle au pied de Cristiano Ronaldo qui est passé. Václav Klaus. Lucas Podolski. Ils ont des bonnes possibilités là en attaque. Jaroslav Klaus. Oh, quelle occasion! Oh, il arrive! Oh, quel plongeon superbe! Et ça va mettre du sabot en corner. Avec Cristiano Ronaldo. C'est ça qui est présenté, Franck. C'est vrai qu'il est très connu dans le milieu du football, mais pas uniquement. Hein. Mais quand on demande à des personnes qui ne s'intéressent pas du tout au foot, elles connaissent Cristiano Ronaldo. Et ce centre qui trouve le défenseur finalement. Il touche à proximité de la surface. Thank you.
qui répond au présent hein, sur cette action. Et c'est terminé à l'instant pour cette première prolongation. Les deux équipes qui vont changer de côté. Plein de suspense qui continue encore 15 minutes dans cette seconde période de prolongation. Lucas Podolski. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Avec Nani maintenant. Le centre. Trop fort ce centre. Qui a dû s'employer sur ce ballon et très bel arrêt. Lucas Podolski. Il a passé le centre de récupération. Nani. C'est une touche. Lucas Podolski. Ils ont un bon coup à jouer, là, attention. Close. Avec Cristiano Ronaldo. On s'approche du but. Raúl Meireles. Et le ballon qui change de camp, magnifique. J'ai l'impression qu'ils essaient de faire sortir la défense. Allez, bien sûr, du gardien. Allez, on voit Cristiano Ronaldo. Nani. Cristiano Ronaldo. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Il peut jouer avec ses coéquipiers. Les deux équipes n'étant pas parvenues à se départager, il va donc falloir en passer par la séance des tirs au but.
Une terrible séance de tir au but qui va bientôt commencer. En fait, il n'a pas marché, il n'aurait pas dû temporiser. Le prochain, ce sera pour Cristiano Ronaldo. C'est bon, c'est rentré. Ah, il a su rester concentré, là, c'est bien. Il n'a pas craqué. C'était important. Et il marque. Et c'était bien tiré. Miroslav Klose sera le prochain à s'élancer. Il l'a mis, bien joué. Belle maîtrise lors de sa course d'élan. Il va élever le point. Et oui, il marque son tir au but. Et c'est bon. Et il a bien joué le coup là. Bien ajusté le gardien, Hervé. Il a essayé d'accorder un sursis à son équipe. Quelle pression. Et c'est au fond. Rien à dire, c'est bien tiré. Tir au but décisif. Surtout, ne pas craquer. Je l'ai senti un peu nerveux là, même pendant sa course d'élan. Ouais, un petit peu hésitant. On arrête. Oh, super barré du gardien, Hervé. La pression est énorme sur ses épaules. Oh, et voilà, c'est fini. Il remporte la victoire sur ce dernier tir au but. Et il n'a pas craqué, il ne s'est pas posé de questions, c'est parfait. Le réalisateur qui nous montre.